Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première émission d'Info 9 pour la saison 96. Mon nom est Marie-Josée Carrier et je serai avec vous pour la nouvelle saison d'information. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs sujets. Tout d'abord, il sera question du 50e anniversaire du pont couvert de l'île Népawa. Par la suite, nous parlerons du concours Maison et commerce fleuri. Et puis, nous parlerons aussi d'une conférence de presse qui a eu lieu au Carrefour Jeunesse Emploi avec M. François Gendron et André Pelletier. Nous vous présenterons une entrevue avec M. Stéphane Chagnon portant sur la programmation du Centre d'art Rotary. Nous vous parlerons aussi de la première exposition qui se tient présentement au Centre d'art Abitibi-Winnie, 6000 ans d'histoire. Nous présenterons la rencontre que nous avons eue avec Mme Diane Roy, nouvelle directrice de la Commission des loisirs de la ville de La Sarre. Enfin, nous parlerons sport avec un hommage rendu à Doris Piché par la ville de La Sarre pour sa participation aux Jeux olympiques d'Atlanta. Et enfin, du camp d'entraînement des conquérants de La Sarre qui se tient présentement. Nous terminerons par les communiqués de presse que nous avons reçus au cours des derniers jours. Tout de suite après la pause, nous vous revenons avec ces nouvelles. Cette émission est rendue possible grâce à Oh Oh le magazine, un magazine à l'image des gens de chez nous, en vente dans tous les kiosques à journaux. Il reste bien peu de ponts couverts au Québec. Celui de l'île Népawa a fêté son 50e anniversaire le 10 août dernier. Ils étaient plus de 600 personnes à venir souligner l'événement. Une messe commémorative présidée par Mgr Gérard Drinville, évêque du diocèse d'Amos et assisté de l'abbé Mario Laroche, a eu lieu sous le pont pour réunir les anciens et actuels résidents de l'île Népawa. On a voulu ainsi reproduire la même cérémonie 50 ans plus tard. En effet, l'évêque de l'époque avait béni les lieux lors de l'ouverture du pont. Par la suite, les retrouvailles se sont poursuivies au chapiteau érigé près du centre communautaire pour le buffet et la soirée. Une exposition de photos datant de 1936 jusqu'aux années 1970 s'est tenue tout au long de l'été pour permettre aux gens de se rappeler des débuts de l'île. On se souvient que les premiers occupants arrivèrent dès 1936 et que les années 40 ont accueilli les premières familles en provenance des îles de la Madeleine. Aujourd'hui, l'île Népawa compte 26 familles, et dont 17 demeurent sur l'île même pour un total de 78 résidents. Le concours Maison et commerce fleuri a fait connaître ses gagnants lors d'un 5 à 7 à l'hôtel de ville de La Sarre. Ce concours existe maintenant depuis une dizaine d'années et s'adresse à tous les résidents de la municipalité de La Sarre. Il a comme principal mandat de rendre l'environnement plus propre et plus agréable à regarder. Cet objectif touche un nombre croissant de personnes, car ils étaient 38 à s'inscrire dans les 7 catégories du concours, soit une augmentation de 25 % par rapport aux années antérieures. Madame Ginette Martel, présidente du comité d'embellissement, a souligné les nombreuses initiatives mises de l'avant, en plus du concours, pour améliorer l'environnement de la ville. Parmi celles-ci, on retrouve l'installation de jardinières sur le pont de la rue principale, la publication de chroniques dans les hebdos régionaux, trouver des solutions pour l'affichage dans les rues et plus particulièrement à l'entrée sud de la ville, la mise en place d'un concours de peinture, la Sarre en fête, et pour l'an prochain aussi, un jardin d'oiseaux. Le comité d'embellissement est composé de 15 personnes bénévoles amateurs d'horticulture. Plusieurs critères les guident pour choisir les gagnants, tels que l'apparence générale vue de la voie publique, la propreté globale des lieux,
la beauté des aménagements paysagers, le choix des plantes, l'entretien des pelouses et l'utilisation harmonieuse de divers matériaux inertes. Les gagnants sont les suivants. Dans la catégorie « Excellence en secteur urbain », résidence ayant déjà remporté un premier prix, la palme est revenue à Mme Antoinette Labbé. La deuxième position a été donnée à M. Jean-Guy Boulet et Mme Solange Boulet. La troisième position est revenue à M. Denis Paquette et Mme Camille Marcot. Dans la catégorie « Excellence en secteur rural », Mme Lorraine Carbonneau et M. André Laplante ont remporté le premier prix. Mme Monique et M. Ovid Deschênes ont remporté le deuxième prix. Dans la catégorie résidence en secteur urbain, Mme Étienne Rodrigue a remporté la première position et Mme Denise Chalifou la deuxième. Dans la catégorie résidence en secteur rural, Mme Micheline Trudel et M. Régent Bélanger ont remporté le premier prix. Dans la catégorie commerce, entreprise, institutions et édifices gouvernementaux, le pavillon Monseigneur Desroches a remporté le premier prix et le dépanneur Lassard le deuxième. Dans la catégorie balcon et terrasse fleurie, Mme Agathe Leclerc a remporté le premier prix et finalement, dans la catégorie maison mobile, le prix fut attribué à Mme Patrick Fortin. De plus, au cours de cette cérémonie, le comité d'embellissement et la ville de la Sarre ont tenu à remettre un prix spécial, dis-je bien, à M. Yves Journaud pour son implication particulière à faire de sa ville un endroit propre et agréable. Bénévolement, été comme hiver, M. Journaud veille à l'entretien des trottoirs et à l'entrée des commerces de la ville. Pour le remercier de ses bons services et de l'exemple qu'il donne pour tous les citoyens, on lui a remis un cadeau. Il fut chaudement applaudi par la soixantaine de personnes présentes. Le concours fut encore une fois un succès et on espère doubler le nombre de participants pour l'an prochain. Dans un autre ordre d'idées, cette semaine, nous avons rencontré M. Stéphane Chagnon, responsable du Centre d'art Rotary. Il nous a brossé un portrait de la progression automnale. Alors, nous le rencontrons. Bonjour, M. Stéphane Chagnon. Vous êtes responsable du Centre d'art Rotary pour la ville de La Sarre. Alors, avant de nous parler de la nouvelle programmation 96-97, pouvez-vous nous expliquer comment on choisit une exposition plutôt qu'une autre? Bon, ce qui arrive, c'est que dans notre programmation au Centre d'art Rotary, on s'assure que des artistes d'ici, donc de l'Abitibi-Ouest, puissent exposer leurs œuvres, donc avant tout. Il y a aussi dans notre programmation une place pour les artistes de l'Abitibi-Témiscamingue en général. Et il y a aussi à chaque année ce qu'on appelle le Salon Création. Là, on est rendu à la 18e édition cette année. Donc ça, c'est un salon à métier d'art. Et donc là, tous les artisans de la Sarre et d'Abitibi-Témiscamingue et les artisans peuvent présenter leurs créations. Aussi, dans le cadre de notre programmation, on a ce qu'on appelle des expositions itinérantes des musées nationaux, comme le Musée de la civilisation de Québec, qui portent sur les sciences ou l'archéologie, des trucs comme ça. Et ça aussi, ça fait partie de notre programmation. Puis en dernier lieu, bon, on a toutes les expositions en art visuel des artistes du Québec, d'un peu partout au Québec, qui complètent, si on peut dire, notre programmation. D'accord. Et que nous réserve la programmation d'automne cette année? Bien, cette année, tous ceux et celles qui ont peut-être entendu parler de l'exposition Abitibi-Winnie, alors qu'elle a été présentée à Amos, eh bien, Abitibi-Winnie est au Centre d'art Rotary depuis le 8 septembre et jusqu'au 6 octobre. Après ça, on a un artiste de Laval qui est Louis-Hugues Fontaine. Lui, c'est un artiste, c'est un peintre. Et c'est suivi par le 18e Salon Création. Et par la suite, du 22 novembre au 8 décembre, on a une exposition qui s'intitule « Hyperbole ». Ce sont des artistes des Hautes-Laurentides. C'est une exposition qui a été produite par le Centre d'exposition de Mont-Laurier. Et pour terminer, en décembre, on a Serge Bergeron, qui est un artiste, un peintre de la Sarre, qui va exposer chez nous. D'accord. Alors, dimanche dernier a lieu le vernissage de l'exposition « Abitibi-Winnie ». Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, au cours du vernissage d'exposition, on a eu les représentants des trois organismes qui ont coproduit l'exposition,
c'est-à-dire la société Machitewea. On a eu comme représentant Dominic Rankin. On a eu aussi du Centre d'exposition d'Amos, Marianne Trudel, et de la Corporation Archéo 08, qui sont un groupe d'archéologues, Marc Côté. Et c'était un succès, si on peut dire. Il y a des gens qui s'intéressent à l'archéologie. Il faut dire, parce que les pièces qu'on voit au centre d'artillerie, des pointes de flèches, des pipes, il y a beaucoup de ces objets-là qui ont été trouvés ici, en Abitibi-Ouest, au lac Abitibi. Donc, c'est très important. C'est une exposition qui nous concerne particulièrement ici, en Abitibi-Ouest. Donc, ça avait été trouvé, entre autres, par Joseph Bérubé, qui avait fait des fouilles archéologiques dans les années 70 ici. Alors, une exposition à ne pas manquer pour les gens de la ville de la Sarre? Oui, ah oui, c'est absolument à voir. Donc, ça parle de 6000 ans d'histoire au lac Abitibi. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le Centre d'art Rotary accueille présentement l'exposition Abitibi-Winnie, 6000 ans d'histoire. L'exposition porte sur le développement culturel des Abitibi-Winniques au cours des 60 derniers siècles, tout en proposant une vision archéologique et ethno-historique. Depuis près de 20 ans, les archéologues effectuent des fouilles en Abitibi-Témiscamingue. Les résultats de ces recherches démontrent la présence de vie humaine depuis 6000 ans. Ces lointaines populations, selon les scientifiques, sont affiliées culturellement à la famille algonquienne. C'est pourquoi aujourd'hui on nomme les Abitibi-Winniques. En langue algonquine, cela signifie « gens de l'Abitibi ». L'exposition se déroule selon trois thèmes dominants. Partir, échanger et revenir. Partir, voilà quelque chose d'essentiel pour les Abitibi-Winniques, puisqu'à la suite de découvertes de nombreux campements temporaires, on peut affirmer que leur mode de vie était celui des nomades. Partir sans cesse répond à un besoin, mais aussi au désir de changer. Quatre constitutions miniatures de scènes de vie nous permettent de comprendre les quatre sous-thèmes, soit celui des transports, nous montrant une expédition, celui des moyens de subsistance, montrant une scène de pêche, celui de l'habitation, montrant un campement d'été, et la conception de l'existence, montrant une sépulture amérindienne. Par la suite, le deuxième grand thème, celui de l'échange, est aussi au cœur de la vie des Abitibi-Winniques, puisque la situation géographique de l'Abitibi-Témiscamingue joue un rôle de plaque tournante économique et culturelle. Pour nouer des liens, les populations se rencontrent pour échanger des biens et conclure des alliances. La formation de tels réseaux favorise l'importation et l'exportation de marchandises. Huit sous-thèmes sont abordés. La céramique algonquienne, le tabac, les matériaux lithiques, la métallurgie autochtone, la traite des fourrures, les épidémies, l'horticulture et finalement la mythologie amérindienne. En dernier lieu, le thème « revenir » évoque le fait que si les Abitibi-Winniques doivent gagner le terrain de chasse à l'automne, ils doivent aussi revenir vers les siens à chaque été. C'est essentiel pour affirmer son appartenance à la tradition Abitibi-Winnie. Trois tipis seront alors visités. Dans le premier, on présente sous forme d'ombre chinoise des objets liés aux pratiques rituelles. Dans le deuxième tipi, on peut entendre un chant et une légende narrée en langue algonquine. Finalement, dans le dernier, on diffuse une vidéo qui retrace par bribes les activités sur un lieu de campement. Cette exposition a une approche design très spectaculaire, ainsi les gens circulent sous une immense carapace de tortue. L'animal représentant les trois thèmes majeurs de l'exposition, soit partir, revenir et échanger. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la Sarre a tenu une conférence de presse le 4 septembre dernier pour annoncer la création de 12 emplois dans le secteur forestier. En collaboration avec une entreprise de la région, Sylvinor, ils ont travaillé afin de conceptualiser et d'offrir une formation de bûcheron charretier adaptée qui répondait aux besoins de main-d'œuvre de l'entreprise. Cette heureuse initiative a permis à 12 personnes, majoritairement prestataires de la sécurité du revenu, d'obtenir un emploi à temps plein. Pour souligner cet événement, M. François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, et M. André Pelletier, député d'Abitibi-Est, étaient présents.
La souplesse de la formation et la rapidité de l'intervention sont deux points positifs. En effet, l'entrepreneur recherchait depuis plusieurs mois la main-d'œuvre adéquate. Cependant, la technique d'exploitation utilisée, avec des chevaux comme principal outil de travail, était peu connue. La formation pour les candidats sélectionnés a donc débuté fin juillet et dès le 26 août, il travaillait à temps plein. Cette initiative créatrice d'emplois a un impact économique de l'ordre de 512 000 $, ce qui est important pour la région. Selon Linda Marcotte, coordonnatrice du Carrefour Jeunesse Emploi, il est important de croire en notre main-d'œuvre et de s'adapter aux besoins des entreprises pour créer de l'emploi. Monsieur Guitant Boucher, de son côté, propriétaire de l'entreprise, est emballé par cette façon de procéder et recommande à tous de participer à de tels échanges. Sylvie Nord est une entreprise œuvrant dans le domaine forestier qui privilégie la coupe sélective. Elle détient de nombreux contrats avec les compagnies Norbar et Domtar. Pour l'avenir, Sylvie Nord est en train de créer une nouvelle technologie avec Metal Marquis, ce qui permettra une augmentation de production des employés de l'entreprise. Nous vous présentons maintenant la rencontre que nous avons eue avec Mme Denise Roy. Elle occupe le poste de directrice de la commission des loisirs de la SAR. Elle a remplacé Mme José Labbé. Bonjour Mme Denise Roy, vous êtes la nouvelle directrice de la commission des loisirs de la ville de la SAR. Alors, quelles sont vos priorités pour la prochaine année? Pour la prochaine année, si je regarde les dossiers au niveau de la commission des loisirs, bien entendu, il va y avoir le tour de l'Abitibi. Également, on attend des développements au niveau de la salle de spectacle. J'aurai sans doute la chance de vous en parler plus tard. Donc, ça va être les principales priorités. D'accord. Alors, quel est votre rôle comme tel, comme directrice? Bon, moi, c'est de voir à l'ensemble de la gestion du loisir au niveau de la ville de la SAR. Bien entendu, on aura sans doute à développer certaines complicités avec toutes les petites municipalités environnantes ici sur le territoire de la MRC Abitibi-Ouest. OK, parce que vous êtes en étroite relation avec les autres municipalités pour ce qui est du loisir? Bien, je crois qu'ici, quand on parle de la population, bien entendu, le service communautaire, c'est bien entendu au niveau de la population, la Sarroise. Mais on sait quand même que les autres populations viennent faire un tour, donc on aura également à s'ouvrir là-dessus, donc comme sans doute cela se faisait lorsqu'il y avait entre autres des dossiers régionaux. Lorsqu'on entend commission des loisirs, ça touche à plusieurs domaines. Pouvez-vous me situer dans tout ça? Oui, effectivement, ça fait référence à plusieurs domaines. Ici, à la SAR, on a la maison de la culture, donc entre autres, on a la responsabilité de la bibliothèque. On a le centre d'art Rotary où on reçoit les expositions. On parle également d'animation culturelle. On parle d'ateliers culturels, d'animation à la bibliothèque. Également, on a le Colisée que tous sans doute connaissent. On a de l'animation sportive. Et également, on a la question de l'aquatique. Donc, en gros, je pense que j'ai résumé l'ensemble des secteurs du loisir à la SAR. Donc, c'est un nouveau niveau de préoccupation. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Sur le plan sportif, maintenant, l'athlète Doris Piché fut honorée le 28 août dernier par la Ville de la SAR, la Commission des loisirs et le Fonds Doris Piché pour sa participation aux Jeux olympiques d'Atlanta. Plusieurs personnes s'étaient réunies lors de cette rencontre amicale pour témoigner des forces de l'athlète lassaroise. Monsieur Yves Bourget, maire suppléant, lui a rendu un bel hommage en décrivant les qualités qui lui ont permis d'accéder à de tels niveaux de compétition. Déterminé et tenace, voilà deux qualificatifs qui représentent bien Doris Piché. Madame Anne-Marie Bellan, présidente de la Commission des loisirs, a elle aussi tenu à souligner le courage et la détermination de Doris Piché. Elle a décrit celle-ci comme un exemple à suivre pour les jeunes. L'athlète a quant à elle témoigné de son expérience auprès de ses concitoyens et amis. Elle a d'abord tenu à remercier toute la population et son inconditionnel appui, sa famille et ses commanditaires. Atlanta m'a beaucoup plus touchée que Barcelone parce que Barcelone, c'était une évolution que j'étais supposée d'y aller, je jouais bien, puis j'étais première au Canada, puis ça allait super bien. Alors, j'étais due pour faire les Jeux de 92, tandis qu'à Atlanta, ben, j'ai eu seulement une période de 7 mois pour les faire.
Puis justement, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je voulais les faire, puis je voulais montrer aussi à tout le monde que j'étais capable. Puis en tout cas, fait que je veux dire, pour moi, c'est une valeur beaucoup plus profonde d'avoir fait les Jeux d'Atlanta. Surtout qu'il y a beaucoup de gens de Badminton Canada, disons, qui n'ont pas cru en moi. Mais j'ai eu tout ce beau monde-là qui ont cru en moi. Ma famille et la population. Sa participation représente en quelque sorte sa médaille olympique. Parmi les meilleurs souvenirs qu'elle conserve, nul doute que l'entrée en piste lors de la cérémonie d'ouverture fut un moment inoubliable. Sa participation aux Jeux d'Atlanta fut une expérience extraordinaire et grâce aux gens de la ville d'Alassar, elle la revit en pensée. La rencontre riche en émotions s'est terminée par la remise d'une plaque souvenir. De plus, l'athlète a posé sa signature dans le livre d'or de sa ville natale. Les conquérants de la SAR tiennent présentement leur camp d'entraînement pour la saison 96-97. Plus de 45 jeunes de 15 à 17 ans se sont inscrits dans le but d'obtenir leur place au sein de la formation. Parmi eux, on retrouve 9 vétérans. Mais selon l'entraîneur Yves Cloutier, aucun poste n'est assuré. 19 joueurs seront sélectionnés pour former la nouvelle équipe. Tous devront donc faire leur preuve avant d'endosser le chandail des conquérants. Vendredi le 6 septembre dernier, les conquérants ont perdu 9 à 7 contre les Citadelles à Rouen. Et dimanche, ils ont à nouveau perdu 4 à 2 contre cette même équipe pour le deuxième match hors concours. Espérons qu'ils feront meilleure figure lors du tournoi qui aura lieu à Mère-l'Artique les 14 et 15 septembre. Celui-ci sera déterminant dans le choix de la nouvelle équipe. Après la pause, nous vous revenons avec les communiqués de presse. Défi santé, notre responsabilité à tous grâce à Participaction. De nos jours, plusieurs aînés font face à des dangers réels. L'abus de médicaments et le manque d'activité physique peuvent enlever la qualité de vie et même entraîner la mort. Est-ce l'avenir qui vous attend? Chez Participaction, tous nos efforts tendent à trouver des solutions pratiques pour des lendemains meilleurs. Au Nouveau-Brunswick, le programme Santé Vie Active réunit des gens qui ont décidé de s'entraider. Des bénévoles compétents offrent de l'information et des conseils éclairés sur des sujets comme les médicaments, la nutrition, le stress et l'activité physique. Pour faire attention à notre santé, on a pu s'aimer soi-même. On n'en sera pas tant qu'on pourra le faire. La nouvelle éducation va se faire par les aînés, avec les aînés. Agissez! Participez au programme pour les aînés de votre voisinage. Défi santé, notre responsabilité à tous. Participation. Le premier communiqué de presse nous provient du ministère des Ressources naturelles. Il offre à la population la possibilité de participer à un tirage au sort pour l'attribution de 6 emplacements de villégiature situés au lac Rimini dans la municipalité de Relais. Ces terrains ont une superficie moyenne de 4000 mètres carrés, sont boisés et riverains. Ils sont tous offerts en location par bail renouvelable d'une durée d'un an ou en vente au choix des acquéreurs. Le locataire ou le propriétaire du terrain devra y construire une habitation selon les normes et règlements prévus à cet égard. Des frais d'inscription de 25 $ sont exigés pour participer au tirage au sort. Ces frais sont payables en argent comptant, par mandat poste ou par chèque visé à l'ordre du ministère des Finances. Toute personne âgée de 18 ans et plus peut s'inscrire le 28 septembre 1996 de 9h à 10h au 191 boulevard Rideau à Rouyn-Noranda. Le tirage au sort et l'attribution des emplacements aura lieu immédiatement après la période d'inscription. Pour information, vous pouvez téléphoner au 762-44-61. La Régie régionale félicite le conseil d'administration et la direction du pont de Rouyn-Noranda pour la mention d'honneur que l'organisme a reçue à la dernière remise des prix Persillier-Lachapelle. Le pont a récolté cette mention dans la catégorie « Soutien aux groupes les plus vulnérables ». Le jury a ainsi reconnu la qualité de ses interventions auprès des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.
En plus d'une plaque commémorative, le pont a reçu une bourse de 5 000 $. La régie reconnaît l'organisme depuis 1989 à titre de partenaire dans la MRC de Rouyn-Noranda, notamment dans le cadre du programme de santé mentale. Le ministère de la Santé et des Services sociaux attribue les prix Percilier-Lachapelle afin de reconnaître et d'encourager l'excellence des soins et des services rendus à la population québécoise par les établissements du réseau ainsi que les organismes communautaires. Décédé en 1918, le docteur Emmanuel Percilier-Lachapelle a marqué son époque par son dévouement, ses recherches scientifiques et son engagement dans l'amélioration de la santé publique. Le centre hospitalier de la Sarre nous avise que, entre minuit et 7 heures le matin, vous devrez utiliser dorénavant la porte arrière, entrée des ambulances, pour accéder à l'urgence et ce de façon permanente. Cette politique entrera en vigueur à compter de la nuit du samedi 21 septembre à minuit à dimanche le 22 septembre 7 heures. Ils vous remercient de votre collaboration. Madame Diane Lemieux, nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme, sera de passage dans notre région prochainement. Elle sera reçue par le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue lors de sa première rencontre régionale pour l'année 1996-1997. Cette visite de Madame Lemieux est l'objet d'une activité spéciale qui se déroulera à compter de 13h30 le samedi 14 septembre à la salle Chamonix du Motel Alpin, située au 260 boulevard Rideau à Rouyn-Noranda. Toutes les femmes de la région sont invitées à faire la connaissance de Madame Lemieux et à échanger sur les différents aspects touchant la condition féminine. Cette rencontre vous permettra également de mieux connaître les groupes membres du regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que leurs activités. Le comité de prévention du suicide, secteur La Sarre, tient à vous annoncer qu'il amorcera sa campagne de recrutement de bénévoles. Le comité est à la recherche de personnes intéressées à s'impliquer au sein de son organisme, plus particulièrement par le biais de la ligne d'intervention téléphonique. Une session de formation de 45 heures sera offerte aux personnes sélectionnées au cours des mois d'octobre et de novembre 1996. Pour vous inscrire, vous devez contacter Mme Hélène Dupuc au CLSC des Aurores Boréales au numéro 333-2354. Un avis important ici pour le régime d'assurance médicaments. Alors, c'est important de s'inscrire au nouveau régime d'assurance médicaments qui garantit une protection de base à toute la population du Québec. La personne est protégée soit par un régime collectif, si elle est admissible, soit par la régie de l'assurance maladie. L'admission au régime d'assurance médicaments est obligatoire et la personne est appelée à contribuer financièrement. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, une séance d'information sera donnée entre le 9 et le 14 septembre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter sans frais le numéro 1-888-435-7992. Et quant à moi, je vous invite à me faire parvenir vos communiqués de presse ou me contacter par téléphone au 782-4227. Il me fera plaisir de recevoir ceci. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Et on se retrouve jeudi pour un autre bulletin d'Info 9. Au revoir et bonne soirée.